Salut à tous, salut à toutes, salut les playmophiles. Après un stop motion mouvementé de plus de 500 images, tu l'as compris, aujourd'hui je vais te parler du restaurant américain, plus exactement du food truck Playmobil de la gamme City Life référence 5632. Ce petit camion Playmobil est sorti depuis 2015 en Amérique et depuis été 2016 en édition limitée en France. Il fait partie de la gamme City Life Playmobil, c'est la référence 5632. La boîte contient 69 pièces, dont deux magnifiques personnages, de nombreux aliments et bien sûr un food truck. C'est une assez grosse boîte de très bonne qualité à un prix intéressant de 25€. Que se cache-t-il à l'intérieur alors, monsieur Playmo? C'est bien que tu te poses la question. Alors tout d'abord, on y trouve deux personnages Playmobil. Un homme de couleur blanche, le cuisinier avec sa toque, il est principalement habillé de blanc et de bleu, et personnellement, j'adore sa veste et son t-shirt avec l'étoile argentée. Mais aussi, on va pouvoir avoir son ami le serveur, un personnage de couleur noire cette fois-ci, essentiellement habillé en jaune, en bleu et noir. Je suis tombé sous le charme des motifs sur son pull, et toi, qu'en penses-tu? On a aussi de multiples nouveaux aliments au menu, hamburger, frites, hot dog, soda, ketchup, panier repas et bien plus. Le food truck quant à lui est rouge et il est à l'effigie de Jimmy, alias James pour moi. Il a des stickers étoiles, un trou pour faire l'essence et de nombreuses ouvertures. À l'arrière pour charger les marchandises, à droite pour ouvrir le restaurant, le toit pour mieux jouer, et l'avant du camion pour placer les personnages qui vont conduire avec un superbe volant. Le restaurant ambulant contient 2 places assises et environ 3 places à l'arrière si on met les Playmobil debout. Malheureusement, on ne peut pas rabattre l'enseigne en haut du food truck, ce qui aurait été plus joli quand il avance selon moi. C'est un des seuls inconvénients que je lui ai trouvé. Pour son montage, ça a été assez facile, t'inquiète pas. Il faudra juste faire attention aux nombreux autocollants à coller parfois dans des endroits difficiles d'accès. Dans le restaurant, on trouve un robinet, des plaques, des rangements, une étagère et une autre plaque qui va griller les bons hot dogs de Jimmy et Mike. Cette boîte d'un bon rapport qualité-prix coûte environ 25€ dans les magasins. Cependant, elle n'est plus disponible partout. Tu as aimé cette présentation de boîte et le stop motion du début? Tu aimerais en voir plus sur ma chaîne? D'accord, alors j'en refais une à 100 j'aime. Je compte sur toi pour lâcher ton petit pouce en l'air. Pour me soutenir et m'encourager dans mon aventure YouTube, n'oublie surtout pas de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Playmophile, en avant les Playmobil.